Yeah! Salut la team, c'est moi, Hugo! Hugo K.O. Aujourd'hui, je suis devant la boutique Day by Day pour vous présenter un cocktail à base de rhum à l'approche de l'été. L'été, il fait beau, l'été, il fait chaud. Je sens les rayons soleil biophoton me toucher en plein cœur et je sens la joie monter en moi. Eh oui! Allez, c'est parti! Salut Thierry! Salut Hugo, comment ça va? Un petit peu mieux que la dernière fois. Ça fait du bien, on entend. Oui! Alors, qu'est-ce que tu nous prépares cette fois? Un cocktail à base de rhum! Oui! Et pour ce faire, il te faut de la menthe séchée naturelle, du rhum blanc, de la boisson dépêche, du jus d'orange et un petit citron vert qui nous attend à la maison. C'est parti! Là, on est sur un assemblage de trois rhums. Trinidad et Tobago, Barbade et Jamaïque. On est sur des notes gourmandes et amplement méritées, oui. Toujours en quantité à la demande, l'idée c'est de faire infuser des mangues séchées naturelles directement dans la bouteille pendant 24 heures. Bon bah top Thierry, top top top. Merci beaucoup. Mais de rien, Hugo. Check. Twix, le citron nous attend à la maison et nous on se retrouve directement à la cuisine. Ok, me voici dans la cuisine pour vous présenter le cocktail Tonnerre le Tropique. Un cocktail qui va te faire voyager de Jamaïque en passant par la Barbade tout en finissant au Trinidad et Tobago, mon pote. Et ce cocktail se compose de rhum infusé à la mangue séchée naturelle, du jus d'orange, de la boisson dépêche et du citron. Mais avant de commencer, tu vas directement infuser la mangue séchée dans ton rhum pendant 24 heures. On commence la recette avec 4 centilitres de rhum infusé à la mangue séchée. Voilà. On enchaîne avec 8 centilitres de jus d'orange 100% bio. Ça, c'est pour la chaleur, c'est pour l'épice, c'est pour le bonheur. Un petit trait de boisson aromatisée à la pêche. Et ensuite, on va prendre un petit citron vert. On lui fait un petit câlin. On le tapote. On le coupe. Et à l'aide de ton petit presse-agrumes, tu l'introduis juste dedans et tu presses. Dans un citron, vous avez 2 centilitres par moitié. Donc ça fait 4 centilitres pour un citron. Une fois que c'est bon, on prend le deuxième shaker, on met les glaçons et on check. Petite fessée. Et ensuite, tu prends ton verre directement rempli de glaçons et tu filtres. Oh yeah. Petit coup de cuillère. Ça, c'est de la mangue séchée. Ça ressemble à un soleil. Et on va la placer délicatement comme ça. Et comme ça. Et si t'as un surplus, tu le manges. Petite paille. Et là, mon pote, on a un vrai tonnerre sur les tropiques, mon gars. Et voilà, mesdames, messieurs, grâce aux courses que j'ai réalisées chez Day by Day, j'ai pu faire un cocktail à base de rhum ultra sunshine, ultra rafraîchissant pour moins de 2 euros. Large, large, ultra large. Allez, nous on se retrouve pour un prochain tuto Day by Day. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Coup de Barre. Je vous mettrai tous les liens en description et je vous dis à très bientôt. Un poco cansado de todo en esta vida. Sírveme otro trago que me lleve para arriba. La botella vacía, esa es mi doctrina. Ven que yo te enseño con un shot de tequila. Yo lo tomo derecho como lanzando rimas. También en margaritas y no te hablo de morritas. Esas llegan después a hacernos compañía. Fondo, 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 la fiesta está prendida. Y arriba las manos, te gustes lo que intuyo. Mariachi con un boom.